Nous retournons avec développement titre que nous t'ai baillot et première vidéo que nous t'ai lancé c'est pour nous t'ai capable faire réflexion sur l'équipe Violette la cap fêté sans qui t'a fêté mais elle est toujours dans le mois de mai bah vrai t'a fêté 106e anniversaire li. Donc nous connaissons dans quelques minutes de ça équipe Lyon li saute en champion du même coup et du bon gagné trophée pal tout donc mesdames yo mérité ça pour ça que yo fait et pendant saison nous dit fait en façon différente mais nous dit façon c'est saison régulière là qui a arrivé juste que là mais yo t'es fini en tête de compétition hein. Yo t'es fini avec 61 points. Et yo te fait yon match nul, yon défaite. Et puis, équipe qui était plus près là, c'était Paris Saint-Germain, il finit derrière avec 56 points. Et c'est avec Paris Saint-Germain que 55 points, 55 points. Donc, c'est avec équipe ça que yo te fait final. Mais yo pas juste prendre deux premières yo te prend quatre premières équipes yo pour yo te capable faire deux semi-finales et puis c'est comme ça équipe Coventina li rivé et en finale côté li bat équipe Paria 2-1, un match mérité quand même parce que nous connaissons et depuis nous avons regardé OL, les habitués nous avec des matchs pleins et des joueuses qui finissent, qui ont su maillot, qui ont travaillé. Donc nous dit bravo à Coventina et donc un prochain rendez-vous avec l'histoire pour équipe OL là, c'est 25 mai prochain côté ils vont jouer en finale de Coupe d'Europe face à l'équipe Barcelone en fief li la Kylie yon terrain pensé qui pourrait l'occuper presque à 70-80% par les Espagnols ou bien les fanatiques de Barcelone li pas obligé espagnol seulement même gens dans stadio gen pile haïtien parce que je yo yon vini de partout donc qui compatriotes joueurs ça yo a vini supporter yo. Donc le 25 prochain équipe OLA li gen rendez vous avec l'histoire énième coupe pour équipe OLA nous t'a souhaité que yo championne parce que c'est là que nous y est parce que à cause du mornay et nos haïtiens tout haïtien qu'on y a là c'est OL yo y est donc nous souhaiter que yo fait un très très bon match et couleur locale toujours et nous gagnons équipe et senior garçon qui a compté jour pour lui capable jouer un match premier match li pour coupe du monde et donc nous connaissons l'isla déjà nous connaissons et qui joue qui relais qui joue qui pas relais et 31 joueurs relais pour rendez-vous ça et donc c'est comme ça équipe haïtienne a joué le 6 juin face à équipe Sainte-Lucie et puis le 9 on a joué Barbade à Prosk et Gemnan l'équipe qui devant parce que l'aime dit ça par contre qu'on est nos football mais non pas tout le monde qui a suivi moi yo pas vraiment connaissait yo c'est petite fille moi qui supporte moi mais li pas connaît football donc l'aime fait rappel ça yo c'est pas parce que nous pas connaît boule donc équipe qui devant c'est lui même qui a recevoir et donc c'est Barbade donc les 6 et 9 6 et 9 juin prochain nous pourrons gagner et rendez-vous avec l'histoire deux matchs sur le papier qui paraît pour l'équipe haïtienne
Mais papier arrêté papier, pas vrai, avec mot sous papier, nous mettez Haïti dans le Paris, je dis à la. Mais le nous arrivé souterrain, c'est une autre affaire. Et donc, nous souhaitons que les Grenadiers nous soient conscients de la situation, parce que dans un moment ça, à côté Haïti, dans la traversée du désert, ça que nous y a, nous besoin d'une bonne presse. Et côté nous capables de jouer une bonne presse, ça, c'est à travers sport. Donc, pour faire tourner sous affaire Coventina, moi, dit avec un confrère dimanche dernier, pendant que Coventina a fait ça, l'a fait dans la saison ça avec équipe. Là, c'est le moment pour que les dirigeants haïtiens, yo, bon, Connor, c'est lui-même qui l'a, pour yo t'a dit, bon, mon Dieu, on nous mettait package, on nous mettait force, nous, derrière football féminin, reprend quand nous, et on nous fait yon bagaille pour que, et qu'on y a là, marché football là, et tout le monde a gagné un regard vers Haïti pour yo dire, gardez un petit joyau, et est-ce que pas gagné l'autre? Nous besoin l'autre. Mais c'est pas ça qui a fait. Et après réunion que Connor a gagné avec des clubs de football là, féminin, nous pas attendre qui ça a fait. Et dans un court terme, qui ça qui a fait? Il n'a pas dit qui ça, mais il a fait projection pour l'avenir. C'est bagaille à l'envers. Donc, il a dû chercher des locales pour faire des bagailles, des camps d'entraînement pour mesdames, yo, chercher des gens qui te travaillent avec staff, et groupe ça, et Coventina, Nerilia, Shirley et autres. Je pense qu'ils vivent toujours, excepté de jeune entraîneur ça, ancien de l'Aigle Noir, le nom m'échappe, qui passait pas trop longtemps de ça, mais je pense que tout l'autre monde là. Mais c'est pas ça que nous, ouais, qui a fait. Donc, nous avons parlé de femmes tout arrêté. Nous avons gagné Grenadier New York qui recevoir invitation pour aller jouer deux matchs en Zamitaï à Quito avec l'équipe locale, je pense, la sélection équatorienne. Et donc, en deux matchs qui a joué 31 mai et 4 juin, je crois. Donc, 31 mai et 4 juin. Donc, un match qui a venu dans un bon moment parce que puis faut jouer ça yo sorti en compétition, mais compétition française là les fini jodi a. Donc entre-temps et nous dans sélection ça tout le monde qui a pas joué en France yo peut-être gagné que m'oublier nous t'ai ouais belle goal de mademoiselle ça reprise acrobatique là que nous souhaitait qui pral gagner prime meilleur but de la compétition. Gen Shirley jeudi, gen Megastar la Coventina, gen Roselor, donc toute la bande, puis faut là-dedans, il a joué en France, donc il a joué mieux vraiment en jambes. Je pensais que c'est un bon test pour nos compatriotes. Et donc, et après ça, qui ça cap vini, eh ben c'est temps pour nous tendre parce que nous connaissons Connor, c'est one at a time, une à la fois. Il pas aller trop vite. Donc nous espérer que et ça que il fait pour senior famille, il a fait autour, il a fait même bagalan pour l'autre sélection qui pi bayo. Les U20, les U17, parce que on leur Nerilia Papla, Coventina Papla, Shirley Jeudi Papla, Ozo Papla, ces joueuses qui n'ont U17, qui nan tout U, elle a dit U, c'est under, moun ki en bas, et là, ça, donc c'est eux-mêmes qui a pu venir remplacer eux. Donc, Lucina et nous t'es qui était vraiment éclaté et pâté nous pendant la dernière compétition qui t'a fait U17 là. Et donc, qui ça l'est devenu, nous pas connaît. Nous espérons que lui en de bonnes mains, le travail, il était question que lui allait en France. Donc, nous pas connaît côté projet ça passé. Toujours au niveau, nous t'a dit ça qui gagne couleur nationale, ben, c'est en Floride. Donc, compétition, 24e édition de Madame Gougous là, li
Nan fin li, yo deja konen ekip ki troasyem nan, se l'ekip de Gonaiv ki fini troasyem nan kompetisyon an. E donk an mentenan, fèt la ap kontinue le 19, se grandan final la ki ap fèt an, le 19 prochain. En conséquence, et nous gagnons un mini reportage ou bien t'es capable d'un résumé de ça qui a fait en Floride avec Zamino Herbie Richmond qui pourrait dire nous et comment et situation y est, comment ça a déroulé dans UPSL la compétition, comment Lilo Haiti qui a dégagé lui. Donc en compétition qui dans 24e édition ni, et ça c'est yon bel bagay. 24 ans par 24 jours yo te gagné et en cassure pendant COVID là, mais c'est une compétition vraiment qui méritait encouragement. Nous espérons que en exemple, madame Gougousla, nous à suivre les envies de peuple, nous gagner des bagailles qui allaient en continuité année après année, nous toujours à faire les, nous pas comme si c'est nous qu'on aurait tout le monde qui a joué avec une série de pattes, ils ont fait ici et là, ils ont pas remis, ils ont crasé, ils ont recommencé. Donc qui ça pour nous faire pour nous gagner continuité? Nous gagnons pile le monde qui connaît, qui gagne doctorat, gagne PhD, des nègres savent, femmes savent. Mais en pile fois, nous pas mettez connaissance nous pour le bien de la communauté. Nous gagnons problème tant que moins rendons compte et nous kembe nous keep grudges, nous kembe rancune, nous très rancunier. Nous pas capable, nous gagnons droit en désaccord, mais ça pas empêcher que nous chita ensemble en gens de bien pour nous être capable réfléchir sous des projets qui vraiment fait sens. Donc en équipe Gonaïve là. Et il était impressionné moins au cours de l'ouverture compétition. Hein. Donc, il a fini en troisième position. Donc, qui est-ce qui prend le champion le 19 mai prochain? N'a pas connu ça après match à Bavre. En attendant, entendez Herbie Richmond. Bonsoir Solange et bonsoir aux auditeurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, les internautes de sport CPAM. C'est un plaisir. Solange pour nous avec vous après-midi pour nous partager toutes dernières informations sportives qui dominaient l'actualité en Floride. D'abord, nous connaissons la United Premier League Soccer, ça nourrit les UPSL qui dominaient l'actualité et mes 24e édition, Madame Gougou, ça a été copain. Nous connaissons qu'à fini dimanche qu'à pas venir là. Donc, d'abord, UPSL Little Haiti réalisé yon excellente victoire, c'était le week-end écoulé face aux soldats de la Floride. 3 goals à 1, messieurs qui ont joué la Caillou. Donc, il n'y a pas de droit aller-retour, puisque il y a une compétition qui était mal à débuter, mais l'équipe était là depuis quelques temps là, sous la houlette de coach Paulin Jean, à prendre sérieusement. Donc, Little Haiti, donc, battre les soldats de la Floride 3 goals à 1. Avec 3 goals inscrits par Ronald Medard en premier mi-temps. Ronald Medard connu sur le nom de Lukaku. Donc, mi-temps 1 but à 0. Les soldats de la Floride étaient prêts à le reprendre avec un pile pression, surtout dans le deuxième mi-temps. Ils étaient prêts à l'égaliser, mais avec Peterson Revenge et Roberto Baggio lui-même. Donc, équipe blanche était prêts à le battre la formation des soldats de la Floride. 3 goals à 1 et qui actuellement repositionne le classement 6e position. Donc, l'équipe là qui, si championnat a campé, je vous dis là, a qualifié pour les playoffs. Sous 14 équipes, nous connaissons 8 équipes à considérer la conférence Sud et Floride. L'équipe là, Little Haiti, a pas joué 8e rencontre, c'est pour ce samedi 18 mai, dans l'occasion fête drapeau. Vous devez nous demander avec tout le monde, venez supporter les sportifs et clubs pendant le week-end.
africaine qui n'a pas venu là et pourquoi pas venir célébrer avec nous la fête du bicolore haïtien n'a pas joué face à la formation d'Atletoum. Donc, mesdames, messieurs, encore une fois, viens de supporter l'équipe de l'Inorélie. Et puis, de ça qui concernait et journée finale, 24e édition, Madame Gougou Saïti Coplan, nous connaissons qu'il a fini le 19 mai. Cap a fini là, si on joue une boule, côté depuis 4 ballons pour rouler en dans FIU et notre, ça n'est pas notre Miami Athletic Stadium. Donc depuis à 4 heures, qu'on match entre Académie Lilo Réunion, qui a bel et bien présent dans le passage. Non? Ouais, un passage, puisque le week-end qui se passe dans le match classement, on a joué dans moins de 12 ans et 13 ans, mais n'a pas un petit peu plus bas, dans moins de 8 et 10 ans, spécialement en dedans, Florida National University. Et puis, à 5 heures, après un match à vétérans entre les vétérans de Fort Myers et les vétérans de North Miami, match à fait à 5 heures de l'après-midi. Et tout le monde connaît Maman Bimba, c'est à 7h du soir, côté équipe Island United, là, à jouer contre le soleil levé. Island United qui est déjà sous 5e participation en dans Madame Gougou Haïti Cup, là, et soleil levé, première participation, et c'est seule équipe qui se tient en dehors de la Floride, du côté de Boston qui vient participer dans la compétition. Ça. Et d'ailleurs, Monsieur Yo fait forte impression. Et une bagarre que nous sommes capables de signaler. À chaque fois qu'il y a une nouvelle équipe qui rentrait en Madame Gougoussa, il est souvent remporté, et ça a été fait avec plusieurs équipes, particulièrement 117 FC, donc il a remporté une saison et il a échoué en finale, nous songez ça, et en temps notre Miami Athletic Stadium. Donc, soleil levé, véritablement, pour aller rencontrer l'équipe d'Island United. Donc, tout le monde a pas retenu le côté match pour ça. Qui sait que match pour ça, il va le poter dimanche 19 mai, Capavine là, à partir de 7h du soir, Solange. Et puis, gagner en pré-sélection. Donc, parce que l'issue libre aller est augmentée. Donc, dans une prochaine édition, on a parlé avec Herbie Richemont parce que l'a fait bilan pour nous-mêmes et de compétition ça et puis et pré-sélection ça qui finalité li qui bon yo pralé côté yo pralé avec un monsieur yo pralé rencontrer l'autre pays ami ou bien jouer avec des équipes qui dans même programme ensemble avec yo donc on va aller ensemble avec au sous plan international ça qui domine actualité à sous plan international c'est première ligue là qui a pas fini là et le 19 prochain côté et Abkayen toute équipe a joué d'ailleurs et pas gagné yo joué match en retard yo déjà donc ça qui kembe actualité a c'est Fanatic Citizen yo captain yo l'autre fois encore pour yo fait geste de la victoire demain levé donc équipe Citizen nan, et Manchester United l'a pas face à l'histoire l'a gagné pour les jouer face à une équipe que des fois on prend plaisir garder et dans faire compétition ça West Ham c'est pas une équipe pour play avec lui parce que yo sorti un chouette vraiment discipliné et très agressif parce que yo dit je crois maintenant yo en 9e position dans classement en 9e position au milieu du tableau donc en leur besoin fait point c'est pas sous Wessam que Wab vini donc en même équipe qui déjà dans l'inférieur à savoir Luton Town Burnley et Sheffield United équipe ça yo yo vini pour yo vraiment défendre yo donc c'est pas pour rien que compétition anglaise là li gagne tout aura ça donc équipe qui en tête hein, pour l'instant c'est Manchester City la 88 points li devant Arsenal avec 86 points et donc en série en Arsenal et même le Arsenal t'a gagné
pour que Arsenal ta champion, le n'a pas gardé tableau, fort que et Manchester City et t'a perdu. Est-ce que en face à Manchester City après perdu un titre, moins pas quoi pour ça que il a fait dans saison ça. Et donc équipe Arsenal à 86 points, yo bat vient à 89. Si Manchester City fait nul, la vient à 89. Tout qu'on y a ex-aequo et c'est nombre de goals qui pourrait aller départager. Donc et Arsenal à pas croiser d'ouetli pour que ouais ça m'a gâté manger à mais vieille maman pareil pour Zépina pareil pour vieille maman équipe Manchester City la vigne avec Fon Mali vient jouer un match sérieux, un match plein face à Wessam pour que l'équipe fait back, tout back là. Donc, pas gagné fait cadeau qu'on y a là, c'est équipe là lui-même qui pouvait connaître pendant tout temps compétition hein, et pour lui te faire ça pour lui te faire donc il vient en phase A, c'est sur le fil que équipe en Manchester City après la champion donc hein, et toute match il a joué dans même le pour que pas gagne un calcul donc même si l'autre match t'a fait dans différentes le mais match Arsenal face à Everton et Manchester City face à West Ham parce que c'est où tu as vraiment qui en compétition pour titre là donc deux matchs ça ou t'a doué fait à même le donc nous gagnons rendez-vous par contre qui bon ap mette tête non monsieur que c'est du côté de Citizen parce que c'est eux même nous t'a remis où elle est champion pour nos champions avec eux donc à 11h le 19 nous gagnons rendez-vous avec équipe Manchester City avec équipe West Ham. Chers amis, c'était un plaisir pour nous être ensemble avec vous. Merci pour attention nous. Pas oublier, abonner, partager, mais c'est seul gens que Solange m'aide avec Chanel pour ses pas qu'arriver un peu partout et nous a gagné plus subscribe. Gain des vidéos, moi dit déjà, gain Tarzan, tout Tarzan monde qui gardait yo, mais nous pour arriver dans niveau ça au niveau subscribe. Ça nous pense pendant nous a garder, nous tout abonner. Comme ça, Chanel Sport c'est pas mal et la gain place li YouTube a ban nou valeur pour yo ban nou. En attendant, moi di ou merci. N'a retrouvé tantôt pour une autre édition Sport c'est pas mal. Bonne fête du drapeau. Mettez Haïti sous que nous fait ça que nous avons fait pour le pays parce que quel que soit côté gon ti bagay ko ka fè ou ka représente. Allez, à tantôt pour l'autre édition Sport c'est pas